Là, en fait, tu as divisé ça, là, après, tu as divisé pour trouver combien de mois il fallait, parce que là, il te dit prix unitaire acheté, c'est marqué là, il te dit. Ben, d'après vous, je ne sais pas, est-ce que vous allez faire un email et puis mettre les quantités comme ça, est-ce que le destinataire du email, est-ce qu'il va comprendre? Bah oui. Toi, je t'écris, je te mets des chiffres, des numéros. Mais non, ça, on lui a expliqué que c'était des anomalies. Après, on lui a dit on en a livré, on en a commandé ça, on en a livré tant. Bah, il a compris. Ah bah ouais, ben, si tu penses qu'il a compris. Là, après, c'est la façon dont tu formules, après, c'est la formulation, c'est dans la formulation. D'accord? Il faut bien rappeler, en fait, il faut rappeler l'anomalie. Ce qui se passe. Ben, il faut le rappeler. J'ai reçu notre facture numéro machin. Numéro ah ouais. On a commandé telle quantité de hein, vous nous avez dit 60 divisé par. Non, mais tu mets nombre du client fois effectif total du client divisé par 3 000. Non. Mais non, parce que 3 000 c'est l'effectif total de tous les clients. Là, je ne fais pas 460 fois 1 000. Attends, je ne fais pas ça là. Attends, si, c'est ça. Donc, sauf que moi, je dis. Sauf que, regarde, oui c'est ça, donne-le à mon client. Exemple, 460. Non, c'est pas un exemple. Si, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Regarde, c'est un exemple. T'as fait ça. Après, ça, parce que 3 fois 60, 60.